RMC, l'immanquable grande gueule. Là, la prof est complètement dans sa bulle, pas du tout en interaction. Est-ce qu'elle elle dit quoi? Vous écoutez, vous recopiez. Bon, on n'enseigne plus du tout comme ça. On peut se faire licencier quand on le fait comme ça. Elle n'entend pas du tout le bruit, ce qui se passe derrière elle. Mais à la limite, on va dire, il y a des profs comme tous ça. Les profs, tous les profs savent que leurs, élèves sont harcelés. Non, attendez. Il ne se passe jamais rien dans le dos du professeur. Jamais rien. Bien sûr, rien. Il n'y a jamais d'enseignant licencié. Allons plus loin. Bah, à la limite, elle était comme ça, il faudrait. À la limite, allons plus loin. Le plus grave pour moi, c'est l'image de la victime. J'avais vraiment aimé ce que disait la maman de Marion, donc Nora, sur l'idée que les personnes ont honte, les vraies victimes en 2015, elles ont honte d'être victimes. Parce que la pire insulte qu'on peut faire à un enfant, c'est dire « Ah, t'es une victime, t'es un bolos ». Et elle, dans ses interventions, elle voulait retourner la valeur des choses, montrer que celui qui était un nul, c'est celui qui harcèle. Celui qui était bidon, c'est celui qui harcèle. Et que d'accord, les victimes sont Fatima, des super-héros, sont courageuses lorsqu'elles viennent non, parler. Mais Fatima. Mais là, la victime, tu es d'accord, c'est tu es un d'accord. Petit roux. Non, mais j'ai bien compris, moi, mais je voudrais Fatima... montrer que la victime, ça peut être tout le monde. Mais moi, je ne veux pas supprimer le clip pour supprimer le clip. Je veux remplacer ce clip par un clip qui met pas en cause les profs. Non, pas du tout. Qui est fait par et pour les élèves. L'année dernière, il y avait un concours et des enfants ont envoyé des clips super. J'ai mis sur ma page le clip de collégien de Niort. Et à la fin, l'enfant va parler à un adulte. D'accord. Moi, j'ai envie que les enfants viennent me donc voir. Donc, c'est caricatural pour l'image du prof et pour l'enfant. Didier. RMC. 1, 2, 3, 4. L'immanquable grande gueule.